Elle me fait mal. Ce qui est bon, il va me dire, 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 waouh! Non, on est autodidacte, ça veut dire que finalement, la tante avait des ambitions nickel. Et tout ça par rapport à quoi? Par rapport à l'idée que vous avez dans la mission que vous avez dans votre salle. Le choix, le choix, le choix. Pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala, cette chanson est dit. Mon cœur a envie donc de dévier, et ma bouche a envie de vouloir dévier, de vouloir dévier. Mais c'est notre attitude, c'est notre comportement qui va faire la différence. Non? Si on vient ici, regardez comme il fait froid dehors. On a mis nos essences, on a mis plein de choses, alors que maintenant on a fait le choix de pouvoir venir ici. C'est bon, c'est... pardon. Les bébés, bien, la difficulté, c'est de pouvoir les mettre en application. Donc on vise vraiment faire en sorte qu'il y ait un peu maintenant plutôt maîtrisant. Pour ôter les bras, on a noté rapidement sur le verset 12. Et ça, c'est spécifiquement pour nous les jeunes. Dans le verset 12, on dit « Honore ton père et ta mère, afin que ces jours se prolongent en esprit, que l'Éternel ton Dieu te donne. » Honore ton père et ta mère. D'abord, donc, honore ton père et ta mère. Ah, il y a les parents. Il y a les parents. Les parents, vous les voyez sauter. Les parents ont dit qu'à sauter. Les parents ne nous délaissez pas. Ne nous laissez pas. Votre rôle en tant que parent, c'est de nous éduquer. Votre rôle en tant que parent, c'est de nous transmettre. Votre rôle en tant que parent, c'est de nous donner une base, de nous poser un guide. Que vous soyez parents des guides pour nos vies. Soyez des modèles pour nous les enfants. S'il vous plaît, les parents, soyez des modèles pour vous, les enfants. Aujourd'hui, c'est nous de Dali. Ça peut même peut-être vous faire rire. Mais qui va donner aujourd'hui le nom de Robot Timon, le juif, moi, dans mon officier, Robot Judas? Personne, personne. Qui aujourd'hui, Robot Timon, là, officier, pour vous, il y a des rôles? Personne, pourquoi? Aujourd'hui même, c'est. Ah, Moutoussoura, Trahir, Yo Yomora, mais toi, t'es un Judas. Moutoussoura, Mouni Azakar, Colérique, toi, tu prends pour le roi et roi ou quoi? Bah, comment on est, Kena Mabé, s'il vous plaît, les parents, soyez des modèles pour nous. Votez Yabisso, ne nous laissez pas. On a besoin de passer du temps avec vous. Bon, encadrez Bisso, transmettez-nous. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des différences par rapport à la culture, c'est vrai qu'il y a des différences par rapport à la langue ou autre. Mais s'il vous plaît, tout ça, là, il faut loin. Moi, dans la classe, yo parents, bien, bah, retourne à yo, ah, moi, je vais dans la classe, mini. Ah, on a évité, hein, bon, Bissot, il n'y a pas première, deuxième, troisième CO, bah, on s'y coule et Kitaka, donc, bon, peut-être quatrième, non, papa. Intéresse pas ton enfant. Demande-lui en quelle classe tu es. Quatrième. Ah, au carré quatrième, moi. Oh, voyez. On va plus loin. On va plus loin. Toi, en tant que parent, classe-moi un avatar, vous voyez bien monté. Professeur, voyez, quand tu fais toute l'année, tu es au monde professeur, t'es. Ben non. Comment je vais suivre ton enfant? Comment je vais savoir ce qui se passe? Moi, la place à toi qui est née. Ma camarade n'a pas oyé vite. Bissika qui n'a pas oyé vite. Soyons responsables. Soyons responsables avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, on doit faire face à une certaine concurrence. Cette concurrence-là, c'est quoi? C'est dehors. Et nous, les enfants, aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps dehors qu'à la maison. Tant qu'il n'y aura classe, tant qu'il n'y aura pas sport. Tout ça, là, on va remettre bébé, tout le monde a ça. À la maison, là, heureusement, on va pas au bandi, au salut-moi de voir. Et après, c'est l'heure de dormir, tout ce qui va avec.
Donc, ça veut dire que le peu de temps, s'il vous plaît, les parents ou même avec les enfants, concentrons-nous sur les enfants. Passons du temps avec eux. Discutons avec eux. Discutons avec les enfants. Ne les laissons pas. Ne nous laissez pas parler. Pourquoi je dis ça? C'est à travers ces échanges, c'est à travers ces moments-là où on va avec les enfants, qu'on va pouvoir leur transmettre. Ah, vous voyez, bille, hein? Bissoula, nous allons au coup là. Au coup là, pardon. Talaboué, talaboué, talaboué. Bissou, avant, on faisait ça comme ça, comme ça, comme ça. Si on faisait ça comme ça, c'est par rapport à telle, telle, telle situation. C'est pour ça qu'on agissait de la sorte. C'est difficile, c'est compliqué, mais s'il vous plaît, prenons nos responsabilités. Ne laissons pas la rue éduquer nos enfants. Ne laissons pas les gens que nous ne connaissons pas éduquer nos enfants. Ne laissons pas même juste l'école éduquer nos enfants. Nous-mêmes prenons cette responsabilité-là. Ça va nous poser des problèmes. Ça va nous poser des vraies situations. À nous de mettre les gardes fous ou de surveiller justement tout ça pour qu'on puisse vraiment ne pas tomber là-dessus. Et pour cela, il faut être proche des enfants. Il faut les connaître. Il faut passer du temps avec eux. Il faut discuter avec eux. Il faut leur faire comprendre. Il faut être sévère. Il faut être autoritaire là où il le faut. Il y a des moments où il faut les... Donc, en fonction du moment où on va être, on va se comporter différemment. Mais s'il vous plaît, ne laissons pas les enfants. Soyons responsables. C'est vrai que parfois c'est difficile, juste les devoirs. C'est vrai que parfois c'est compliqué, juste il y a un tas de choses qui peuvent se passer qui font que c'est difficile. Mais s'il vous plaît, ne laissons pas cette tâche. À nous les enfants, notre rôle en tant qu'enfant, je vais dire pour être original, c'est d'être des enfants. Soyons des enfants, ne cherchons pas s'il vous plaît à être adultes trop tôt. Nos parents vont nous donner une éducation qu'on puisse écouter, qu'on puisse les écouter, qu'on puisse les suivre, qu'on puisse comprendre ce qu'ils veulent pour nous dans nos vies. Je ne crois pas, parents moraux, Alinarailo, Mora, Mabé, Konamonanaï. Je ne pense pas que ça puisse exister. Quand tu penses la douleur, quand tu penses les difficultés, quand tu penses les 9 mois de process, je ne pense pas qu'une personne vraiment ou ton parent puisse te vouloir du mal. Je n'y crois pas. Surtout quand on sait comment c'est difficile. Je n'y crois pas. Mais la réalité, c'est que Bissot Bajun et l'autre commune impolie. La réalité aujourd'hui, c'est que nous, les jeunes, tous ceux que nous sommes apparemment ambitionnés. La réalité, c'est que nous, la jeunesse, aujourd'hui, on a un vrai problème. On a un grand problème. Nous devons respecter nos parents. Surtout nous qui sommes ici. Dans le contexte, prenez un jour un papa ou une maman au Congo, en Angola, à Brazzaville, en Centrafrique ou autre encore après. D'accord ? Ce papa-là, cette maman-là, un jour, il s'est réveillé, il s'est dit, moi je vais chercher une vie meilleure. Là où je suis aujourd'hui, ça va, mais je peux peut-être aller chercher une meilleure vie quelque part. En Afrique, hein, pas ici. En Afrique. Abondi, Kanisimoro, il fait des démarches. Il arrive, il vient s'installer en Europe. Quand il arrive ici, avec ici, moi, Sinaï, pareil, avec des difficultés. Ben plus loin. Celui qui fait pas dans Bazalaki, Aben ici, sous Bananaya. Nos parents, aujourd'hui, quand on regarde, vraiment pour nous les plus jeunes, les métiers qu'ils exercent, ça fait mal au cœur. Il y a des mamans, il y a des papas aujourd'hui ils se lèvent à des 3h, des 4h du matin. Avant, on a Sergé Pompoise, mais à ça, là, on n'a pas les eaux. 3h, 4h du matin, il s'est réveillé pour aller au travail. Pendant ce temps-là, tu es en train de dormir, tu es au chaud. Pour que quand tu vas rentrer, aller équiper dans le champ ou bien à l'idée, la salive à course, et au l'air, au va. Au côté moi goûter, au côté bilan Léa, au côté ma jus. Ceux qui vont au PSADP, au déclaré, au goûter. Regardez les métiers pénibles hein, qui sont venus exercer.
Moi, je me souviens d'une fois où, sur un chantier, j'ai croisé des papas de l'église, ici, en plein hiver, sur un chantier d'électricité. Mes frères, mes sœurs, ça fait mal. Oh, on a quand même oublié malati kaboul. Oh, bisous, toi, là, t'as dit, parce que bisous, toi, bon, pas toi, si. Nous, on va parler de papa, la tikaboul. Pourquoi ma lit est obédaillée? Moins 2, moins 3 degrés dehors, et il est en train d'installer des néons de lumière dehors. Les mains sont glacées. Et nous, ces papas-là, ces mamans-là, on va leur manquer de respect. Mais ça va être quoi, en leur manquant de respect? Ça va nous apporter quoi? Mais que des malédictions, on ne les honore pas. Que des malédictions, on ne les honore pas. Sur nos parents, même, pour aller plus loin. Et c'est là où on doit se rapprocher d'eux. Regardez, nos papas, les mamans, ils vont se lever à 3h, 4h du matin pour aller faire des travaux que nous, on ne veut pas faire. À la fin du mois, au moins, d'un moment, on aura moins 1200 euros, hein, 1300, pas plus. Hein. Vous n'attendez pas à... Non, non, non. C'est des 1200, c'est des 1300 euros. Mais maman, on a 1200, 1300 euros. Qu'est-ce qu'on a fait? Au Rwanda, à Zarana, 3 mains qui est bas. Au Rwanda, avec ces 1200 euros là qu'elle gagne, moi, économiser à moins 10 000 les Alara. Au Rwanda, avec ce travail qu'elle est en train de faire là, avec son organisation, à ton rappelement d'âme en Afrique, à ça, la rappelement prochaine d'aller à gauche à droite. Mais toi et moi ici, là, cadre supérieur, qui allons faire du télétravail tous les jours à la maison avec nos ordinateurs, on gagne quoi? Les 3000, les 3500, les 4000, parfois même plus. D'accord? On passe notre temps à quoi? Uber Eats, Shine, Amazon, aller commander des choses, aller du gaspillage en gros. Il y a des choses qui sont utiles, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. D'accord? Pour finir en plus à la fin du mois en découvert, alors que tu as eu un gros. T'as pas de char, t'as rien du tout, mais à la fin du mois, t'as plus rien. Parce que tu as dépensé ton argent, mais la maman là, il y a 1200 euros. Et il y a un moment économie à elle. C'est une sagesse qu'on doit aller chercher chez nos parents. C'est une intelligence qu'on doit aller chercher chez nos parents. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Parce que, qu'on veuille ou pas, nos parents. Ben, c'est nous, demain. D'une certaine façon, on va devenir comme eux. D'une certaine façon, on va devenir comme eux. Tout comme on a beaucoup qu'on a mis sur. Tout comme on a l'histoire d'un mis sur. Tout comme on a le cabot, il y a des dames à l'eau. La semaine dernière, nous, musiciens, nous n'étions pas là. Enfin, nous n'étions pas ici à Saint-Denis. Mais dans la semaine, j'ai eu l'occasion, il y a environ un serment, il y a. Enfin, il y a papa, pasteur, responsable. Il insistait encore sur le fait que non, photocode ça va m'aider, photocode ça va être micro, je vais sous. Donc il insiste vraiment sur le fait que d'autres communautés doivent faire partie de nous ici. Je m'adresse aux jeunes, vraiment, entre nous, regardons-nous. D'accord? C'est nous qui sommes au contact de ces gens-là. C'est pas forcément eux. Bisous, votre autorité, avant-moi. Eux, ça sera plus de l'encadrement. Mais c'est à nous, à travers le travail qu'on fait, à travers notre comportement, à travers notre attitude. C'est nous qui allons faire que justement ces gens-là qui sont dehors vont s'intéresser à nous. Ça commence à l'école, ça commence au travail, ça commence au sport où on va, ça commence dans tous ces lieux où on peut aller. Vous attendez pas, parce que peut-être qu'eux, ils seront limités sur le langage ou sur les explications. Mais toi, moi, on s'est parlé, toi et moi, on a leur code, toi et moi, Toba, on va monter, on sait comment on est avec eux. C'est à nous, cette responsabilité-là qui nous incombe. C'est à nous de faire ce travail-là. Et pour ça, il faut être bien armé. Il faut être bien armé. Or, aujourd'hui, si tu demandes à un humaniste ou même à un jeune, pourquoi on ne doit pas danser? Moi, je ne sais pas, si je te l'église, on ne doit pas danser parce que c'est pas bien. Pourquoi on ne doit pas fumer? Ah, je sais pas. Bon, ça va m'aider à l'église. Hein. À nous de faire l'effort d'aller chercher les informations. On a une religion qui est jeune. Une centaine d'années pour une religion, c'est jeune. Il y a plein de choses, on le voit aujourd'hui même dans d'autres
confession. Il continue de s'adapter au monde, il continue de voir comment ça évolue. Et libéro yasika, les élégants koya, c'est koya. Pour nous, c'est pareil. Faisons l'effort de nous intéresser à l'Ikamba Tatanzané. Faisons l'effort de nous intéresser à Simon Kibang ou à son histoire. C'est ça qu'on va apprendre aux gens. On va te demander pourquoi tu fumes pas, pourquoi tu danses pas, mais pourquoi tu as une attitude qui est différente de la tienne. Et c'est là justement notre travail va commencer. C'est là où, à travers justement ce changement, on va être capable de reconnaître sa barre. Parce que ça ne fait des bienfaits. C'est une religion qui est exigeante. Hein. C'est pas difficile, les Zemo et le Bara. Tosali la monkilika, si tosa la monkilité. C'est exigeant aujourd'hui d'être humain, il ne faut pas se mentir. Par rapport à la vie qu'on a, par rapport à tout ce qu'on voit dehors, par rapport à tout ce qu'on fait, c'est difficile. C'est pas une insulte de le dire. C'est compliqué. C'est pas évident par rapport à tout ce qu'on peut voir dehors. Mais Ezali a mis sauté, on est allé à Mokili. Ezali a Kabo, Satan a Sobi pour qu'on puisse justement être perdu. Mes jeunes sœurs, on nous en demande beaucoup. S'il vous plaît, mais préservons-nous. Préservons-nous. C'est dur. Les pantalons, les tissages, trop de maquillage, c'est dur, c'est compliqué. Mais faisons l'effort. Et même parfois, vous avez l'impression qu'on vous en demande beaucoup. Mais pour nous aussi, les papas, prenons ce verset pour qu'on puisse réfléchir à une chose qui se passe en ce moment, un phénomène. On va prendre, s'il vous plaît, 1 Timothée 6, verset 9. 1 Timothée 6, verset 9. Et là, les amis, voyez, la combat à ta main, la témoignance. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Je répète, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La combat à ta main, la témoignance. Que ça l'église à Corona. Papa mon roi, Bandi. T'as l'impression qu'il est en train de réfléchir. T'as l'impression qu'il est en train de se poser vraiment des vraies questions sur sa vie. Pour regarder vraiment tout naïf. Tu lui as demandé, mais papa, ça va, qu'est-ce qui se passe? Ah, laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, c'est grave. Ah, Réa et Bominga. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'avais une côte de vin là, mais. Le pari n'est pas passé. Les paris sportifs pour nous, les jeunes, s'il vous plaît. Et Zali, il y a plus de l'intimité, tout ce qui a un comportement, on a tout ce qui a l'habitude. Ce n'est pas pour nous. Winner, Betclic, ceci, ceci, cela. Et Zali, il y a plus de l'intimité. C'est de l'argent qu'on pense gagner facilement, ou de l'argent même qu'on pense noble. Mais Zali, il y a plus de. Le hasard n'existe pas, déjà. Le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu gagnes de l'argent, c'est parce que Dieu aura voulu que tu gagnes de l'argent. Point. Que Mbappé mette un doublé, un triplé, que le Barcelona gagne, c'est Dieu qui. D'une certaine façon, c'est Dieu qui l'a permis. Mais toi, tu ne peux pas prendre ton argent, le peu que tu as, aller le mettre là-bas pour aller multiplier tes absolutes. Qu'est-ce que ça va faire cet argent-là? Certes, c'est bien que tu t'enrichis, mais ça passe. Encore une fois, comme c'est écrit. Tombe dans la tentation, dans le piège et beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Personne n'a gagné face au casino. On peut tous rentrer dans un casino aujourd'hui, pour moi, dans tout le monde, a gagné peut-être 1 million pour ces pays. Mais au final, c'est le casino qui va gagner. Ce n'est pas nous qui allons gagner. Dans ce genre de choses, c'est pareil. Et pire, peut-être parfois, on ne se rend pas compte. Cher papa, cher maman, et surtout pour nous les jeunes. À partir de ce moment, on doit mettre la masse à la micro-lonie, à une faute dose, on va dire quoi? Ah non, vous êtes alcoolique. Soyez au moment, mon dos. À fumer à la micro-lonie, ah non, lui, il est accro, il est dépendant. Papa, maman, c'est peut-être le temps de décrocher. Peut-être que tu es addict, peut-être que vous allez ramalade, nous voyez, par la BD. Matché, les cadets, yoga, faut que tu paries. Nigné, les pas des doigts. Non. Papa, c'est moi qui va en bien manière. Attends, après ça, bon, on a vu ça. Il y a Pili Pili, il y a Bonou, ainsi de suite.
Donne-nous la sagesse, voilà. Et 20 euros, là. On l'a vu à Kounzoulou. À Kounzoulou, Tololoni, Batoualoni. Il y a des choses qui se sont multipliées contre place. Batoualoni a quitté, comment on peut le comprendre? Mais leur production est diminuée par rapport à ce qui était prévu, c'était même plus. C'est le moment, encore pour nous les jeunes, allons chercher la sagesse chez nos parents. Chez cette maman-là, qui gagne 1200 euros là, et qui est capable d'avoir des projets au pays. Les 20 euros là, que je mets dans le Belgique, non. Investis en Dieu. Investis dans les bonnes choses qui vont faire que ton âme, tu ne vas pas tomber dans des choses insensées, mais ça va te permettre justement de pouvoir grandir et de pouvoir comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas pour nous, mais c'est vrai que même par rapport à des tentations qu'on va devoir toxiques, tout n'est pas permis. Enfin, certaines choses sont légitimes, mais tout n'est pas permis. Qu'on fasse la distinction entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Totalement qui ensuite, la Jonas 1, 16, et dans Jonas 3, le verset 10. Jonas est un prophète. Pour nous les jeunes, quel est le rôle d'un prophète? Un prophète, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Un prophète, c'est quelqu'un qui va, à un moment dans sa vie, avoir un message, avoir une mission, et nous appeler, vous voyez, à tindiller quelque part, ça et là, il est un mot, ça là, vous. Quand on dit que Simon Kimbaou, vous pensez pas, est un prophète, non, Simon Kimbaou n'est pas un prophète. Simon Kimbaou est Dieu. Le terme de prophète, il vient d'une mauvaise traduction. Tout moi. Tout moi, c'est l'envoyé. C'est pas un prophète. Et donc, il y en a qui ont entendu envoyer, ils se sont dit, bon, tout moi, un peu prophète. Non. Le prophète, c'est un prophète. C'est un homme qui, à un moment, est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le tout moi, c'est une chose, c'est l'envoyé. Donc, à nous, les jeunes, de ne pas faire cette erreur-là et vraiment de contrôler ces choses-là. Quand on nous dit ça, tous les normes à monter le carbone. Totangi, il serait un prophète Jonas. Je crois, histoire au. Yébermo, je crois que cette histoire, on la connaît tous, on l'a déjà entendue. Jonas, prophète qu'il est, Nzambé, Atindi, va à Ninive. Télé Rotea, dis-leur que ma belle Avamo et ma Tina Lukermo, Naroboma Mamo. Ninive n'était pas du peuple juif. Non, vous avez un mot comme vous souvent faire, Ninive, c'est une ville qui. Pas à l'heure à chaque fois qu'on vous avec le peuple d'Israël, avec le peuple juif. Jonas, à taille pour les méfaits. Attends, les amis. À mon idée, que nous puissions avoir de l'eau, on va arrêter. Comment ça peut être une erreur? Non. Les amis, à Tindi, Jonas, à Ninive. Jonas, à Kinaïe, à Tarsis. Dans une autre ville. Donc pour qu'on puisse comprendre, nous les jeunes, donc, tu reçois l'appel de Dieu pour aller par exemple à Papa Jason Kélin en Allemagne. Moi je parle pas allemand, là-bas aussi on ne s'entend pas très bien. Ok d'accord, mais dans les Allemagne, c'est bien, on va en Allemagne. Moi j'ai plutôt allé aux États-Unis, parce que c'est ce qui s'est passé, il est parti à vos côtés. Azoki m'a dit Zabé. Alors, l'air à Kevin Kabatatan Zabé. Il s'est retrouvé dans une position où il était sur un bateau. Dans ce bateau-là, grosse tempête, votre oiseau comprend, il se sautait. Et peut-être pour se projeter, vous aurez vu, tout le monde aura parfois, ça bouge, mais je vous assure que sur un bateau, ce qu'on ressent dans un avion, c'est rien du tout. Parce que quand tu es sur un bateau, c'est toujours en train de naviguer. Alors s'il y a une tempête, dès qu'il n'y en a pas à Londres, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, je vous assure, c'est très difficile. Alors imaginez-vous, on m'a dit sur un navire, vous avez, en plus, vous avez la canne d'avant dans lequel il était. Dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Jonas a l'aligné. À l'aligné, pour lui. Pendant que les autres, retournent dans le moutoiseau, mais les lames à l'aligné, retournent dans le moutoiseau, le Luca. Pour ma vie, quand il est comme moi, Jonas a l'aligné pour lui. Il tire au sort, pour en revenir encore sur les paris, il tire au sort. Quand il tire au sort, à ce moment-là, il se rend compte que non, oh, mais Jonas, enfin, l'Éternel fait en sorte que
Jonas soit tiré au sort. Donc, ce n'est pas du hasard. Zambé n'a pas l'église à la Birmane. Mais Jonas, qu'est-ce que tu as fait? Dès Jonas a tout délit, il a raconté son histoire. N'a pas si on a quand ils vont plus loin. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour les mamans ici, la Beauvoir, avant la maille? Ils ont voulu essayer de revenir un peu. Ils ont voulu rentrer, mais non. Ils ont même pas réussi. Et on n'arrive pas, les conditions sont trop difficiles. En tout cas, Jonas va bloquer la maille. Quand on continue l'histoire de Jonas, juste là, déjà, là, va bloquer la maille. Ceux qui étaient avec lui sur le bateau, comme la bateau, au départ, Montuna Mugazaï, Nanzame, Naé, mais par rapport à l'Ikamana, Babonaki, Babonaki. Les gens ont changé directement. Parce que, Babonaki, Kabo, de Zoli, wow. Non, le dieu de Jonas, en fait, non, il est trop puissant. Par rapport à Nanzame, Naé. On continue. Jonas, Babonaki, Namaï. Donc, d'une certaine façon, Jonas meurt. Jonas meurt. Mais Dieu, Babonaki, et parce que Jonas devait accomplir une mission, un poisson arrive, une baleine, cette baleine avale Jonas. À ce moment-là, Jonas aussi se repentit. Jonas comprend. Dans le chapitre 2, on voit la prière de Jonas. À Sengi Bolim, il s'est levé, vous avez sorti l'occasion, l'opportunité, là, dans qu'il y ait des vignes, on a ça, là, ça, là, ou bien ça, là, aussi, là, qui va. Vous avez parlé qu'il y ait 3 jours dans le poisson. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Jonas est rejeté par le poisson. Et Jonas enfin se décide d'aller à Ninive. Jonas a quitté Ninive. Bien à quitté Ninive, à Bani Côté. Ninive, vous ça la mabé. Votre casseux pour continuer de la bien pour ma vie. Et pas paradoxalement, mais Nabonouma Nzambé, Jonas il se rend compte après que. Et ça c'est le verset 10. Bayo qui me babomani. Et l'air de Tata Zabarmoni qui va trouver un babomani, que ces gens-là ont changé. À laquelle qui va m'abé. Il avait déjà dit que non, la robomabi non. Parce que Mabé n'a pas non et commis par là. À ce moment-là, quand Dieu a vu qu'ils avaient changé, que Bandima qui nous avait, Azul et Kambouana, à l'Oboléon, à Boma qui va m'en insulter. Là, c'était de côté des Béla, derrière. Jonas, tout d'abord. Jonas, dans la Bible que j'ai, il écrit Jonas, le serviteur désobéissant. Batindier, il ne pas jamais, c'est-à-dire qu'il était. Sauf qu'il t'attaque, Zabé, Batindier, il est. Si Dieu t'envoie et t'a dit de faire quelque chose, Salamo, l'égéliamo. Il sait pourquoi il t'envoie, il sait pourquoi il veut le faire. Cherche pas à rajouter à gauche, cherche pas à rajouter à droite, ne réfléchis pas, fais-le de la façon dont il te dit de le faire. Jonas, sa mission, c'était d'aller à Ninive pour un bon la batoana. Il a dit non. Sous Kanamo, qu'est-ce qui s'est passé? Jonas est mort. Alors, quand je dis est mort, il devait mourir, c'est juste par l'amour de Dieu qu'il a été ravi. Pendant ce temps-là, encore, il a eu le temps de réfléchir, de se poser des questions et de lui aussi se repentir. Il s'est repenti et il y a eu la résurrection. Il est revenu à la vie. Nzambe soit un tidio, il est comme ça, on le vénéa qui vénéa. Colombolaté, Kobakisaté. Il sait pourquoi tu dis de le faire. Même s'il y a tout le monde qui est contre toi, fais-le. Parce que là, il y a un intérêt. Il a un intérêt, il sait pourquoi tu demandes. Jonas a émis des doutes. Il s'est posé des questions. Mais pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais là-bas? Mais non. L'objectif, c'est d'atteindre Zabé, c'est de faire au sauver l'ennemi. Et de ce fait-là, il fallait passer par Jonas. L'objectif de Dieu, il a été atteint. L'objectif de Dieu, il a été atteint. Et c'est passé par nous, les hommes.
Donc concernant pour le Badé que, comme j'ai dit, nous ne sommes pas des prophètes du sauveur. Nous sommes des ambassadeurs. Quand je lis moi l'histoire de Jonas, d'une certaine façon, ça nous fait penser à nous, l'histoire que nous vivons actuellement ici. Tozarai côté moro, vous voyez, Matin Tibisoir. Arrivant ici, regardez le pays où on vit, regardez les pays où on vit, comment c'est devenu compliqué. Regardez comment c'est devenu dur, que ce soit l'économie, que ce soit le social, tout est devenu dur. Tout est devenu dur et compliqué. Et dans ça, encore une fois, donc, Toïeawa, avec une mission, avec un travail que Dieu nous a donné. Mais comme Jonas le dit ici, là, Jonas il s'est endormi. Papa, maman, Tozolala, dans la cale. Réveillons-nous. Réveillons-nous, Tobé, les Lanzamé, la Bissoli, Kambouanane, ma Beto, le Rolaro. Tout ce que Dieu nous a dit, tout ce que Dieu nous demande de faire, qu'on puisse le mettre en place, tout simplement. Parce que si on ne le fait pas, on va aller vers la mort. Et cette mort-là nous sera préjudiciable. Cette similitude avec notre histoire, elle est grande, elle est forte. À nous vraiment de faire en sorte que Makamo Nyoso, Otozo vivre, Makamo Nyoso, Otozo monde, soyons vrais, que l'esprit de vérité puisse nous habiter. Qu'on puisse vraiment aller dans un sens où, mission Otata Zabé, Atidé, Abisoto Koro, Salam. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'être présent au Kolo, Tosemara, pardon, Ona, Makamunio, Solo, Bisso, en Europe, Napoto, Tosala, en France, pardon, Tosala, par rapport, il y a ma papa, Nabisso, je crois que c'était pour le centenaire de papa qui se loquait, dit, oui, c'est à ce moment-là. Toutes ces choses-là, quand on les a fait ressortir, et les paroles que le papa nous a dit juste après, voyez bien, on les sait. On a une mission, papa, maman. Ma belle Abisso est mon année déjà. Comme un ennemi, ma belle Abisso est mon année déjà. Ma belle Abisso est mon année. Ma tindi Abisso mission. Tout pour moi, pardon. Pour qu'on puisse changer. À Ninive, les gens, quand ils ont entendu le message de papa Jonas, les gens ont changé. Les gens se sont repentis. Qui est le roi? Baron Dios. Ils se sont tous repentis, ils ont changé, ils se sont dit non. C'est là où il faut que s'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Tout bon, tout changer. On le tata Zabé, il dit pas la mission. Il y a un mot des d'autres en application. Il y a un mot des d'autres en boisson. Parce qu'il y a un mot pour permettre le bisson. Il y a un mot pour la soukha. Tout ça, il y a un mot à partir de prier. Nous dit aussi, si vous voyez. Na komo ya tata ya moi dans le témoin du monde santo. Amen. Amen. Tout est pour ce moment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, que nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Je ne t'induis pas en tentation, mais je te donne du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes.